Hello la compagnie, on est mercredi 10 avril 2019. Il est 9h moins le quart, donc on est encore à la maison avec Alexis parce qu'il commence, donc moi je travaille pas aujourd'hui, et il commence à 9h30. Donc je vais pas tarder à l'emmener, il pleuviote ce matin, il fait vraiment gris, il fait pas froid. Donc voilà. Voilà. Je serai de boire un petit café dans ma tasse Isabelle que mon abonné mystère m'avait offerte. J'adore cette tasse. Et on a la même avec Alexis et David. Donc voilà. Donc je l'emmène pour... les portes ouvrent à 9h15. Donc là, je vais l'emmener pour le... Comme je ne vais pas travailler après pour l'heure pile, quoi. Pas qu'il attende dehors, en plus il pleut. Et ensuite, j'enquille directement sur les courses. Ça, je crois. Parce que si je re-rentre, j'aurai la flemme d'y retourner. Enfin, je le ferai, mais bon, bref. Comme ça, c'est... ça sera fait dans la foulée, ça sera génial. Je rentre. Après les courses, je rentre, je range mes courses. Et puis après, il faudra que je retourne le chercher pour midi et demi. Donc j'aurai certainement un peu de temps devant moi. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je reprendrai après. C'était juste une petite intro. Bon, il est 9h15. Il n'y a personne sur le parking de Carrefour Marché. C'est cool parce que pour une fois, je vais pouvoir faire mes courses sans qu'il y ait trop de monde. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde à l'intérieur. On verra ça, mais je pense pas, parce que sinon il y aurait des voitures. Il n'y a pas 150 000 personnes qui viennent à pied faire leurs courses, quoi. Je suis trop contente. Oh là, je fais n'importe quoi au niveau du cadrage. Ah, il y a des voitures qui arrivent quand même. Ça va être, c'est l'heure. Des personnes âgées. Putain, le gros plan de ouf. Bon, tous les caddies sont là. C'est cool. Ah, j'ai pas pris mes sacs. Je retourne dans la voiture. Alors c'est cool, oui, non, parce que tout est trempé, hein, forcément. Forcément. Vu que je suis la première à prendre un caddie. Comme il pleut, enfin bref. Ça y est, les courses sont faites. Je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est 10h, c'est cool, ça m'a pris 3 secondes. Il fait tout sombre là, c'est catastrophe. Mais il fait bon. Il fait 10 degrés, peut-être même plus d'ailleurs. Hop. Non, 9. Bref, je rentre et voilà. Alors, je suis rentrée à la maison. Les courses sont finies, je vais ranger tout ce bordel, hein, puisque je me suis évidemment étalée partout, comme à chaque fois que quelqu'un fait un retour de course, on s'étale, et encore, j'en ai pas 10 milliards, mais voilà, c'est fait. Je suis bien contente parce qu'il est tôt, j'ai bien fait d'y aller juste après le collège, en fait, c'est, voilà, je suis trop contente. Allez, je range tout ça, et je vous dis à tout à l'heure. Du collège, il est midi 20, donc j'attends que Alexis sorte. Je vous ai dit ce matin, il faisait bon, mais en fait, du fait qu'il pleuve et qu'il y a un peu de vent, il fait toujours 9 degrés, hein, 2 heures après. Mais ça caille avec l'humidité là, c'est juste une horreur. La matinée, du coup, elle est passée super vite, même si je suis rentrée tôt des courses, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, mais je profite. Enfin, c'est quand même bien d'avoir son mercredi, putain. Après, quand je vais retravailler normalement, ça va me faire trop bizarre. Enfin voilà, donc voilà, j'attends Alexis et j'ai hâte parce que j'ai super faim. C'est un truc de ouf. Ouf. À tout à l'heure. Alexis, il a mis son... sa belle veste en cuir que je lui ai acheté. Enfin, c'est pas du cuir, mais... Je me suis un gars derrière. Hein? Arrête. On part chez l'ophtalmo, tiens, ta gourde.
je mets ma ceinture. Ah, moi j'ai ma prise là. À propos de son téléphone, hein. Exactement. Comme tu dis. Exactement. On peut pas faire des choses à une main. Tiens. Ah, merci. Allez, j'en mets tous les papiers, ces anciennes lunettes. Et c'est parti, mon kiki. Je vais vous montrer mes anciennes lunettes, comment ça me va. Hein? Je vais vous montrer mes anciennes lunettes. Alors. Tum, tum, tum. So cute. Quoi? Un tout le bonjour. Je suis... C'est beau. Elle est belle, ma boîte, hein. Elle est toute abîmée, la boîte, hein. Depuis le temps qu'on l'a. Je cache la marque, non? Bon, allez. C'est parti. Voilà, c'est fait pour l'ophtalmo. On se rend chez l'opticien. En fait, il a une toute petite correction, mais c'est surtout des lunettes de confort parce qu'en fait, il a une, il a une espèce de fatigue musculaire des yeux. Et en fait, c'est que quand il zoome ou dézoome, quand il voit de loin puis il voit de près, ça a du mal à s'accommoder. Donc voilà. Donc là, on file chez l'opticien. Donc il y a à peu près 20 minutes de route. Non. Oui, ouais. Et donc comme ça on va le faire tout de suite. C'est très bien que j'ai pris mes mercredis comme ça. Bah du coup on fait que ça quoi. Donc ce matin course là, là, mais c'est génial parce que ça m'évite. Ouais, début d'après-midi on a quand même fait les devoirs. C'est vrai. Et ça m'évite de faire ça le soir ou le week-end et c'est très bien comme ça. J'espère que t'as voulu faire le samedi. Hein? Tes potes avaient voulu le faire le samedi à Lille. Non, j'avais dit que je savais pas trop si on faisait. Mais bon, c'est aussi bien qu'on fasse tout maintenant. J'avais dit que oui, on aurait pu y aller samedi, mais. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde chez l'opticien. En tout cas, chez l'ophtalmo, c'est passé super vite. Enfin, il nous a pris tout de suite et tout. C'était juste à côté de chez nous, donc c'est cool. À plus tard. Voilà, on est rentré avec Alexis, il est 17h15. Je suis rentrée à la même heure que si j'étais allée au boulot. Mais on a fait plein de trucs, donc ophtalmo qui nous a pris à l'heure, je l'ai déjà dit. Et après, on était chez l'opticien. Donc un opticien affilé ma mutuelle, désolé, je suis essoufflée, mais j'ai monté tout ça. Bref, et voilà. Donc on est resté un bon moment, ça dure toujours longtemps parce qu'ils reprennent des murs, machin truc. J'ai le temps de choisir les lunettes. Donc je lui ai pris. Donc il a choisi, hein, c'est lui qui a choisi, je l'ai laissé faire, selon ses goûts. Deux paires de lunettes. Deux paires de lunettes de vue. Première paire, seconde paire. Ils font souvent ça. Parce qu'en fait, il a. Donc c'est surtout une fatigue musculaire. Il y a une toute petite correction minime. Mais c'est surtout des lunettes de confort pour la fatigue. Des yeux, il me semble que j'ai déjà dit ça aussi, bref. Donc il a choisi une paire qui est dorée, une paire qui est noire. Et une paire. Donc ces deux-là, ça sera. Elles sont interchangeables. Enfin, c'est les mêmes, quoi. Avec la même correction, tout ça, tout ça. Et je lui ai pris une paire de lunettes de soleil, mais sans correction, parce que quand il est dehors, il n'en a pas besoin. C'est uniquement pour la classe et pour les écrans et quoi que ce soit. Ah, il faut que je sorte une calculatrice, ça n'a rien à voir. Mais... Et une paire de lunettes de soleil. Des boîtiers, enfin bref. Plein de trucs, plein de trucs. Mais comme les montures n'étaient pas chères à la base, bah du coup, la mutuelle prend tout en charge. À part les petits extras, mais bon, bref. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. Et on retourne les chercher mercredi prochain, donc le 17. Et du coup, je me dis, c'est cool que j'ai pris mes mercredis parce que faire tout ça quand on bosse, t'es obligé d'y aller le week-end, c'est blindé le monde, c'est horrible, c'était vraiment bien. Je suis bien contente de l'avoir fait. Donc voilà. Bon, allez, je reviendrai peut-être plus tard. Voilà, je pense que je vais clôturer le vlog du coup. Ah oh, bah tiens, j'ai même pas préparé mes affaires pour demain, faut que je le fasse. Je range ça, je range tout. Donc voilà, je clôture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo, quelle qu'elle soit. Et je vous fais de très gros bisous.